C'est au début du XXe siècle que la caméra permit de mettre en image les grandes heures de l'histoire. Et la Première Guerre mondiale fut ainsi le premier conflit filmé. Les caméras d'alors étaient trop peu maniables pour capter la plupart des événements décisifs sur le vif. Mais les techniques graphiques modernes nous permettent aujourd'hui de les recréer et d'assister au tout premier affrontement entre deux chars d'assaut. Aux exploits aériens du plus grand chasseur de ballons de la guerre. À une opération risquée entre plusieurs corps d'armée. À la défense d'une position contre l'assaut de nouvelles armes révolutionnaires. Ou encore, de mesurer l'importance de la suprématie aérienne. Ces techniques modernes permettent également de coloriser ces images d'archives, renforçant par là même leur intérêt documentaire. La plupart des armes utilisées de nos jours sur les champs de bataille ont vu le jour ou ont été perfectionnées pendant cette guerre. La mitrailleuse, par exemple. Le char d'assaut. Certains avions spécialisés dans le combat aérien, comme les chasseurs ou encore les bombardiers. Mais aussi ce qui devait révolutionner le combat naval, le sous-marin et le porte-avions. Quand la guerre éclata, tous prédisaient un dénouement rapide. Au lieu de ça, le pouvoir de feu des mitrailleuses. Les bombardements massifs. Et le recours au fil barbelé allait plonger ce conflit dans le cauchemar de la guerre des tranchées. Durant 3 années sur le front ouest, des millions d'hommes allaient vivre l'horreur dans des conditions sordides, sous la menace permanente des bombardements ennemis. Persista à lancer des offensives massives, inefficaces, qui se soldèrent par de lourdes pertes. Des centaines de milliers de soldats fauchés par le tir des mitrailleuses. De part et d'autre des forces engagées, il fallait sortir de l'enlisement. L'état-major allemand échafauda ainsi un plan macabre. L'offensive serait portée sur la ville de Verdun, non pas pour réaliser une percée, mais simplement pour saigner à mort l'armée française. Depuis des siècles, Verdun était un des postes de défense stratégique de la frontière du nord-est de la France. Tout autour, un réseau élaboré de forces défendant mutuellement avait été conçu pour contrer toute offensive ennemie. Les Allemands étaient arrivés à la conclusion que les Français ne pouvaient pas se permettre de perdre cette position et qu'ils déverseraient le plus gros de leur armée sur ces champs de bataille meurtriers. L'effort de ce type, à Douaumont par exemple, datait du XVIe et du XVIIe siècle. Leurs fortifications avaient en principe été modernisées pour repousser les assauts en tenant compte des progrès réalisés dans l'armement. Ces forts étaient garnis de canons d'artillerie lourde installés dans des tourelles. Ainsi que de nombreux postes de mitrailleuses. Mais en réalité, les fortifications n'étaient pas entretenues depuis 1914 et les installations souffraient dangereusement de sous-effectifs. Après 9 heures de bombardement, les Allemands lancèrent l'offensive le 21 février 1916. Au terme de 4 jours d'âpres combats, un soldat allemand de première ligne, le sergent Könze, réussit à s'introduire dans le fort de Douaumont. À sa grande surprise, il se retrouva seul à errer dans un vaste labyrinthe de béton.
d'où il pouvait entendre les détonations étouffées du canon de 155. Guidé par le son, le soldat chemina prudemment jusqu'à la tourelle principale. Le peloton français était tellement accaparé qu'il ne remarqua pas la présence de Kunze, que quand celui-ci les fit prisonniers. Le sergent allemand inspecta ensuite les lieux pour se rendre compte que le fort était pratiquement à l'abandon. Sa garnison étant réduite à quelques 56 artilleurs réservistes. N'en croyant pas ses yeux, Kunze trouvait finalement le reste des effectifs dans le dortoir principal, la plupart des soldats encore dans leur lit. Il se contenta de les enfermer dans la pièce et de faire pénétrer ses hommes dans le fort. Le sergent Kunze venait de neutraliser à lui seul le bastion le plus dangereux de Verdun. Malgré ce désastre, les Français ne lâchèrent pas Verdun. Les trois quarts de l'armée française prirent part au combat durant les 9 mois qui suivirent. Plus de 750 000 hommes français et allemands, à proportion égale, furent sacrifiés dans ce bain de sang. Alors que le quatrième hiver s'installait, les Alliés avaient peine à tenir, attendant désespérément l'arrivée de millions de soldats américains pour reprendre l'avantage. Les Allemands, conscients du danger, comptaient sur l'effondrement de la Russie en décembre 1917 pour rapatrier plus d'un million d'hommes sur le front ouest. Le général Ludendorff était bien décidé à utiliser cette carte pour porter un coup fatal et emporter la victoire. Se doutant qu'une offensive était imminente, le chef des forces britanniques, le maréchal Doug Haig, opta pour une stratégie défensive jouant sur la profondeur. Une zone en première ligne, matérialisée en bleu, avec peu d'effectifs mais répartie sur des positions fortes, aurait pour mission d'atténuer le choc du premier assaut. Viendrait ensuite la zone de combat, en rouge, où le plus gros des affrontements aurait lieu. Puis la zone arrière, en marron, où l'offensive ennemie serait contenue. La réponse de Ludendorff pour enfoncer les nouvelles lignes de défense alliées ne tarda pas. Des troupes d'assaut légèrement équipées, et donc très mobiles, composées de combattants endurcis, auraient pour mission d'infiltrer les lignes ennemies sous couverture de l'artillerie. Misant sur l'effet de surprise et la vitesse, les troupes d'assaut seraient à même de contourner les îlots de résistance et de s'avancer loin dans les lignes arrières de l'adversaire. À 4h du matin, le 21 mars 1918, 6000 canons allemands bombardèrent de gaz et d'obus l'ensemble des positions britanniques. 4h plus tard, la première vague de troupes bondissait des tranchées et s'élançait à l'assaut. Les fantassins allemands se frayèrent un chemin à la grenade à travers les lignes de barbelés. Tandis que les lance-flammes infligeaient des dégâts considérables. Le tir de barrage allemand progressait de 100 mètres toutes les 2 ou 3 minutes en couverture de ce ras de marée humain. Mais les troupes d'assaut finirent par s'essouffler et la dernière grande offensive allemande fut un échec. Pendant l'année 1916, les Britanniques adoptèrent une méthode complètement différente, mais tout aussi innovante, afin de sortir de l'impasse de la guerre des tranchées. Sous terre, des équipes de mineurs recrutées dans les mines de charbon du Pays de Galles et du nord de l'Angleterre se mirent à l'œuvre pour forer des tunnels sous les lignes allemandes. Ce travail était éreintant, et alors qu'ils luttaient déjà contre la claustrophobie, les hommes devaient également progresser en risquant à tout moment de se retrouver ensevelis sous un éboulement. Et si cela ne suffisait pas, il fallait aussi compter avec les attaques surprises des Allemands,
qui, à l'écoute des bruits de forage, creusait des galeries à la rencontre des tunnels britanniques. Quand la jonction entre deux tunnels se produisait, des combats désespérés éclataient dans le noir. Certains de ces réseaux souterrains s'étendaient sur des centaines de mètres, étaient pourvus d'impasses et de fausses jonctions. Une fois que les tunnels principaux étaient creusés sous la zone ennemie sélectionnée, ils étaient bourrés d'explosifs. En moyenne, 21 tonnes de dynamite par galerie. Le plus gros coup d'éclat dû à ces tunnels eut lieu le 7 juin 1917, au tout début de l'offensive britannique sur Messines, près d'Ypres. Au total, 23 galeries avaient été creusées sous des positions allemandes stratégiques et 19 d'entre elles allaient être exploitées, les Allemands s'étant retirés entre-temps de certains de leurs postes. On connecta les fils pour la mise à feu et les troupes d'assaut prirent position dans le No Man's Land. Après 6 mois de préparation, les soldats chargés de la mise à feu regardèrent leurs montres et prièrent. Puis, à 3 heures du matin, les détonateurs furent actionnés. Et plus de 400 tonnes d'explosifs dévastèrent 3 kilomètres de front allemand, tuant des milliers d'hommes. Malheureusement, cette percée inaugurale ne devait pas être pleinement exploitée. Une autre tentative des Britanniques pour conjurer l'enlisement de cette drôle de guerre consista à recourir aux chars d'assaut. Au début de l'été 1916, la combinaison du blindage, des chenilles et d'un moteur interne à combustion avait abouti à la création du premier char d'assaut capable de traverser les tranchées et d'épauler l'infanterie. Le modèle femelle était armé de mitrailleuses, tandis que le modèle mâle était équipé latéralement de 2 canons de 6 pouces. Ces premiers chars se déplaçaient à une vitesse de 6 km/h et contenaient un équipage de 8 personnes. Les chars britanniques ont été utilisés au coup par coup pendant la bataille de la Somme en septembre 1916, remportant ça et là quelques victoires. Mais il fallut attendre la bataille de Cambrai en novembre 1917 où 376 chars furent lancés à l'assaut pour mesurer leur vrai potentiel. Des percées furent réalisées dans les lignes allemandes, et à la nuit tombée, plus de 8 km avaient été gagnés. Mais ces premiers chars étaient peu fiables, si bien que ces avancées restèrent sans lendemain. Les Allemands furent néanmoins si impressionnés par les exploits britanniques qu'ils mirent au point dans l'urgence leur propre char d'assaut. Un monstre de 33 tonnes contenant 18 personnes baptisé A7V. Armé d'un canon de 57 mm et de 6 mitrailleuses, il s'avéra peu maniable, était desservi par un moteur trop peu puissant et n'atteignait que 5 km/h. Ce qui n'empêcha pas son entrée en scène sur les champs de bataille pour contrer les Britanniques. La première confrontation entre deux chars n'allait pas tarder. Celle-ci se produisit au cours de la grande offensive allemande de mars 1918, alors que les troupes d'assaut avaient percé les lignes britanniques et progressé de plus de 60 km. Une seconde offensive en avril fit entrevoir la possibilité d'atteindre Paris. Au petit matin du 24 avril, les unités de tête de Ludendorff étaient à moins de 10 km d'Amiens, à proximité du village de Villers-Bretonneux. À 2 km à l'ouest du village, une division blindée constituée d'un char mâle et de 2 chars femelles ouvrait la voie pour l'infanterie à couvert dans les tranchées. Alors que l'équipage scrutait l'horizon, une vision extraordinaire s'offrit à eux. L'un des rares A7V allemands opérationnels se trouvait droit devant eux.
Les Britanniques allèrent aussitôt à sa rencontre pour le défier. Le premier duel de blindés au monde allait commencer. Les monstres d'acier se rapprochèrent pesamment pour être à portée de tir. À l'intérieur des chars, les conditions étaient épouvantables. La suspension était inexistante et rien n'atténuait le vrombissement des moteurs qui crachaient de la fumée. Ce fut le char britannique de tête, le Mâle, qui ouvrit le feu avec son canon de 6, mais il manqua sa cible. Sans une égratignure, le A7V se déplaça lourdement, essayant désespérément de voir d'où provenait l'obus. L'équipage repéra finalement l'ennemi, immobilisa le char et ouvrit le feu. Sans résultat au début, il ajusta très vite son tir et toucha les deux chars femelles britanniques. Ces derniers s'en tirèrent sans dégâts, mais dans l'incapacité de riposter avec leur seule mitrailleuse, préférèrent se replier. Alors que le char allemand se concentrait toujours sur les deux chars femelles, le char mâle continuait d'avancer pour avoir l'ennemi à sa portée. L'équipage britannique, ballotté dans tous les sens, essayait tant bien que mal de maintenir le A7V dans sa ligne de mire. Ils arrivèrent à une distance satisfaisante et firent feu à nouveau. Le char allemand fut touché, et son équipage, se rendant bien compte que le tir de leurs adversaires devenait de plus en plus précis, décida de battre en retraite. Il mettait ainsi fin à la première confrontation entre deux chars d'assaut. Les chars avaient révolutionné l'art de la guerre. Et les Français comprirent très vite qu'il fallait gagner en vitesse et en maniabilité. Ils mirent donc au point un char de 7 tonnes, le Renault FT-17, avec deux hommes à bord, armés d'une mitrailleuse et d'un canon de 37 mm, arrimé à la première tourelle transversale au monde. Les troupes américaines débarquées en France pendant l'été 1917 avaient eu tout fait de troquer leur casque français pour le modèle britannique. Mais ils avaient en revanche adopté avec enthousiasme le petit char français et s'entraînaient avec devant les caméras pour faire de la propagande. Plusieurs centaines de ces chars allaient leur prêter main forte quand les Américains lanceraient leur première offensive en tant qu'armée indépendante. Ce fut en septembre 1918 dans le département de la Meuse et en Argonne dans le nord-est de la France. Là-bas, les Américains furent confrontés à une situation des plus délicates. Leur tranchée se trouvait au pied des collines rejoignant la forêt d'Argonne. Ils devraient donc gravir la pente pour lancer leur assaut contre un ennemi expérimenté qui avait eu tout le temps nécessaire de bâtir des postes de défense élaborés. Derrière les barbelés des lignes retranchées du front allemand se trouvaient disséminées des mitrailleuses habilement camouflées dans les collines boisées. Des renforts allemands pouvaient atteindre en un éclair ces positions afin de contenir une éventuelle percée. Le feu nourri des mitrailleuses se chargerait de décimer les troupes parvenues au-delà des premières lignes.
Les Américains s'étaient beaucoup entraînés à couvrir leur infanterie à l'aide des chars, mais ces derniers avaient leurs limites. Les FT-17 Renault n'étaient que légèrement blindés et leur petite taille ne leur permettait pas de franchir des tranchées excédant 1,20 m. Malgré ces handicaps, les troupes américaines percèrent les défenses ennemies après 3 semaines d'un affrontement terrible et forcèrent les Allemands à abandonner leur position. Dans les vastes étendues dégagées du front Est, les combats avaient été plus directs. Au mois d'août 1914, le tsar Nicolas II et ses généraux avaient prévu de faire franchir à la première armée la frontière avec la Prusse orientale et de la lancer en direction du nord en remontant la ligne de chemin de fer jusqu'à Königsberg pour y acculer la défense allemande. 4 jours plus tard, la deuxième armée traverserait les grandes forêts près de Tannenberg au sud. Elle frapperait ensuite au nord pour faire tomber Königsberg et isoler le plus gros de l'armée allemande. La rapidité avec laquelle les Russes se mobilisèrent surprit les Allemands. De plus, la cavalerie russe et ses fiers cosaques inspiraient la terreur dans la population prussienne locale. La première armée traversa la frontière avec la Prusse orientale 2 semaines seulement après la déclaration de guerre. 150 000 hommes la composaient, et elle était à elle seule supérieure en nombre à toutes les forces allemandes présentes en Prusse orientale. Les deux armées ennemies se firent face près de la ville de Gumbinnen. Pris de panique, le commandant en chef allemand, von Plitwitz, ordonna le repli de ses troupes et supplia en haut lieu qu'on l'autorise à évacuer la Prusse orientale. Le général russe, Renan Kampf, pénétra quelques kilomètres plus en avant, puis immobilisa ses troupes. Il éprouvait une telle haine pour Alexander Samsonov, le commandant en chef de la deuxième armée, qu'il lui répugnait de faire quoi que ce soit pour favoriser sa progression. Le haut commandement allemand avait tiré de sa retraite Paul von Hindenburg, âgé de 67 ans, pour remplacer von Plitwitz, sous les ordres du chef d'état-major, le très compétent Erich Ludendorff. Les deux hommes saisirent l'opportunité que leur offrait l'excellent réseau ferroviaire allemand pour permettre à leur armée inférieure en nombre de battre les deux armées russes. Un corps d'armée fut acheminé par train en toute hâte pour contourner l'armée russe sur son flanc gauche. L'ennemi ne s'en rendit compte de rien, persuadé que sa supériorité le mettait à l'abri de tout danger. On ordonna ensuite à la quasi-totalité des deux corps de l'armée allemande restant de marcher le plus vite possible vers le sud-ouest pour prendre position sur le flanc droit de la deuxième armée. Là encore, les indices d'une manœuvre ennemie furent ignorés par les Russes, tandis que le reste des divisions allemandes se déployaient en couverture pour harceler la première armée une fois que Renan Kampf se déciderait à faire avancer ses troupes. Les Allemands allaient prouver qu'une cavalerie et une artillerie réduites mais très mobiles pouvaient être aussi efficaces qu'une grande armée. Au sud, les Allemands observaient en retrait la deuxième armée russe perdre sa cohésion, manœuvrant entre forêts et lacs, et le massacre allait commencer. Débarquant dans la ville de Nidenberg, le corps d'armée secrètement acheminé par train perça les premières lignes russes, scindant en deux la deuxième armée. Puis les autres corps en position au sud-ouest bouclèrent l'encerclement.
Désorientés et terrifiés par cette attaque surprise, les Russes se séparèrent et prirent la fuite. Le général Samsonov s'isola dans les bois et se donna la mort. Pendant ce temps, plus de 300 000 de ces hommes étaient soit tués, soit blessés, et quelques 90 000 autres étaient faits prisonniers. Cette défaite fut l'une des plus cuisantes de toute l'histoire militaire. Le premier vol avec pilote ne précédait que de 11 ans le début de la guerre. Les aéroplanes de 1914 n'étaient donc que des prototypes peu maniables, seulement utilisés pour la reconnaissance aérienne. Les équipages tiraient au pistolet ou à la mitrailleuse pour se débarrasser de l'ennemi. Jusqu'au jour où un ingénieur hollandais, Anthony Fokker, mit au point un système pour interrompre le feu continu de la mitrailleuse de sorte que les balles passent au travers de l'hélice. Son Heimdecker, un monoplan, devint le premier avion spécialement conçu pour le combat aérien. Il régna en maître pendant 6 mois au-dessus du front ouest. Les Alliés mirent au point dans l'urgence leurs propres chasseurs, et pendant les 3 années qui suivirent, des machines toujours plus perfectionnées se livrèrent à des duels mortels. Les pilotes les plus chevronnés devinrent de véritables vedettes, au nombre desquels Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, le Français Georges Guynemer, le Britannique Albert Boer et l'Américain Eddie Rickenbacker, l'un des rares à avoir survécu au combat. Cette forme de guerre révolutionnaire encourageait à la recherche de nouvelles tactiques. Les meilleurs pilotes rivalisaient d'ingéniosité pour éliminer leurs adversaires. Une de ses premières tactiques fut la figure inventée par un des as allemands, Maxim Hellmann, qui consistait à plonger en piqué avant d'enchaîner un virage en décrochage pour se retrouver dans la queue de l'ennemi, pris par surprise. Les ballons de barrage furent utilisés en nombre tout le long du front ouest pour l'observation et le tir d'artillerie. Ces ballons étaient extrêmement bien défendus par des canons de DCA ainsi que par des chasseurs, si bien que les abattre relevaient de l'exploit pour ces pionniers du combat aérien qui frôlaient la mort à tout moment. Un des chasseurs de ballons les plus talentueux, des plus célèbres et à la carrière éclair, fut un jeune lieutenant de 21 ans, Frank Luke. Luke n'avait intégré une escadrille de première ligne qu'en août 1918. Pourtant, il était bien décidé à devenir célèbre en tant que pilote de chasse. Abattre des ballons était certes dangereux, mais il vit là le moyen le plus rapide pour en découdre avec l'ennemi. Le 12 septembre, 2 semaines seulement avant l'offensive américaine en Argonne, Luke décollait pour sa première chasse au ballon. Il en abattit un ce jour-là. Et 8 autres durant les 4 jours qui suivirent. En 15 jours, il avait à son tableau de chasse 14 ballons. Au cours de ce marathon aérien meurtrier, il avait de plus abattu 5 chasseurs allemands, ce qui faisait de lui l'as des as américains. Mais la réussite de Luke lui fit perdre le sens des réalités, et le pilote crut que rien ne pouvait l'arrêter. Le 29 septembre, il prit les airs et lâcha un billet en survolant sa base aérienne, sur lequel était écrit « Regardez bien les 3 ballons sur la Meuse ». Luke allait braver le danger, et il réclamait des spectateurs. Les troupes américaines l'observaient attentivement alors que le premier ballon explosait et que le petit avion se dirigeait vers le second. Frank Luke tint parole. Le 3e ballon s'écrasa en flammes. Mais il ne revint jamais à la base pour recueillir les lauriers de sa gloire. La nuit tomba et il ne réapparut pas à l'horizon. Ce n'est seulement qu'après la guerre qu'il fut établi que son avion solitaire avait été pris en chasse par 8 Fokker,
et qu'il avait dû se poser après en avoir abattu deux. Il mourra des suites de ses blessures. Les renseignements recueillis par les ballons étaient de plus en plus précieux, non seulement pour ajuster les tirs d'artillerie, mais aussi pour préparer les bombardements aériens en lignes ennemies, notamment sur les routes de ravitaillement. Les premiers bombardements étaient extrêmement basiques. La vigie lâchait simplement un obus par-dessus bord. Mais très vite, les avions furent équipés de fixations sous les ailes leur permettant de transporter des bombes toujours plus destructrices. On visait encore très approximativement à l'œil nu en estimant le temps de chute entre le largage de la bombe et l'impact au sol. Quoi qu'il en soit, ce nouveau type de combat ne tarda pas à se révéler redoutablement efficace. La bataille de Megiddo en Palestine, qui eut lieu en septembre 1918, en est le parfait exemple. Les chasseurs de la Royal Air Force qui dominaient les airs purent à loisir harceler les troupes turques alliées aux Allemands. C'est ainsi qu'au cours d'un raid, une colonne de ravitaillement engagée dans un défilé fut intégralement rasée. Un officier de la RAF avait écrit « Nous passions les uns après les autres en ordre parfait, larguant nos bombes et fauchant les pauvres Turcs à la mitrailleuse. Ils ne pouvaient ni s'abriter ni fuir et furent massacrés jusqu'au dernier. » Presque un siècle plus tard, les avantages de la suprématie aérienne pendant la guerre du Golfe feraient tristement écho au carnage de Megiddo. Alors que les Alliés s'apprêtaient à lancer l'ultime offensive sur le front ouest en septembre et en octobre 1918, il était clair pour tous que la supériorité tactique dans les airs, renforcée par une excellente coopération au sol, était déterminante. Une nouvelle arme s'imposerait également, amenant avec elle une nouvelle forme d'affrontement. Le 13 juin 1917, 14 bombardiers allemands Gotha décollèrent pour bombarder Londres. Chacun d'entre eux transportait une tonne de bombes et 162 civils furent tués. Ce raid ouvrait un nouveau chapitre dans l'art de la guerre. Pour la première fois, des non-combattants se retrouvaient à portée de tir des ennemis à des kilomètres du front. Pendant les derniers mois de la guerre, les Britanniques avaient mis au point leurs propres bombardiers et se préparaient à bombarder massivement et durablement les villes allemandes. Le bombardier était considéré comme un des éléments essentiels dans un conflit militaire. Comme le dirait le premier ministre britannique Stanley Baldwin dans les années 30, le bombardier ne sera jamais démodé. La Première Guerre mondiale vit aussi l'avènement d'une arme remarquable, le sous-marin. Armé de torpilles, il était déjà redouté de tous les commandants de vaisseaux sur les mers du globe. Mais le sous-marin allait prouver dans ce conflit qu'il pouvait infléchir le cours de la guerre. Bien qu'extrêmement dangereux durant les combats,
Les Alliés redoutaient surtout les U-boats allemands parce qu'ils étaient potentiellement capables de couper les voies de commerce maritime indispensables à la Grande-Bretagne. La menace d'un engagement américain auprès des Alliés planait au-dessus des Allemands en cas d'attaque d'un navire neutre. Et c'est pour cela que le Kaiser n'avait pas déclaré une guerre totale sur les mers avant 1917. Pendant la plus grande partie de la guerre, les Allemands n'avaient pas eu de mal à couler par le fond des navires marchands, se déplaçant presque tous seuls et sans escorte. Les U-boats ne gaspillaient pas leurs torpilles les plus puissantes pour détruire leurs proies. Les Britanniques en vinrent à naviguer en convoi et mirent au point des méthodes pour localiser les U-boats en plongée en utilisant des détecteurs de son à l'arrière des destroyers. Des vedettes plus rapides escortant le navire pouvaient à tout moment larguer des charges explosives. Mais la menace que représentaient les U-boats resta bien réelle. Et l'amirauté britannique en vint à la conclusion que le seul moyen d'arrêter ces guêpes était de faire un blocus autour de leur nid. À partir de 1917, la base principale des U-boats se trouvait à Bruges, en Belgique occupée. La côte était à 12 km, mais des canaux reliaient la ville aux ports d'Ostende et de Zeebrugge. La base était de ce fait trop éloignée de la mer pour envisager une attaque alliée par les airs. Les U-boats étaient abrités sous des hangars de béton qui les protégeaient parfaitement de tout bombardement. L'amiral britannique Roger Keyes, à la tête de la patrouille de Douvres, en conclut que la seule façon de les arrêter était d'intervenir à l'endroit où les canaux se jetaient dans la mer. Les deux ports étaient sous haute protection allemande et une digue d'un kilomètre et demi masquait l'entrée du canal de Zeebrugge. Les Britanniques devraient donc s'emparer de cette digue fortifiée et haute de plus de 6 mètres pour accéder à l'embouchure du canal. Keith opta pour la solution suivante. Un navire à fond plat accosterait le long de la digue avec à son bord une troupe d'élite constituée de 700 fusiliers marins. Il sélectionna pour l'occasion le croiseur, le Vindicatif, qui fut pourvu de canons et dont on renforça le blindage. Un nouveau pont supérieur fut construit sur lequel on fixa 18 rampes qui seraient abaissées pour atteindre le mur de la digue. L'équipage constitué de volontaires s'entraîna inlassablement à relever et à abaisser ces rampes. La partie centrale de la digue était ajourée par une succession d'arches et on avait prévu de les faire sauter en chargeant d'explosifs un vieux sous-marin, de sorte que les renforts allemands ne puissent pas intervenir. Ce que les assaillants ignoraient, c'est qu'un destroyer allemand mouillait de l'autre côté de la digue depuis la nuit précédente, précisément à l'endroit où le Vindicatif s'apprêtait à accoster. L'amiral Keyes, à bord du destroyer HMS Warwick, quitta le port de Douvres le soir du 22 avril, à la tête de la flotte prenant part à l'opération. La mer fut calme pendant la traversée. Depuis une semaine déjà, des navires de reconnaissance armés de puissants canons de 15 pouces bombardaient les batteries de tirs allemandes et les positions stratégiques.
La nuit tomba et les projecteurs allemands zébraient l'obscurité alors que la ville en arrière-plan était illuminée par les bombardements britanniques. Puis, à 23h30, des patrouilleurs côtiers surgirent et larguèrent des fumigènes. Le vent qui soufflait du nord-est transporta l'épais nuage de fumée directement sur la digue et sur le port. Se doutant qu'une attaque se préparait, les Allemands ouvrirent un feu nourri, mais l'écran de fumée les empêchait de distinguer le balai des navires approchant de la côte. Momentanément protégé par la fumée, le vindicatif, escorté par sécurité de deux navires, eux aussi remplis de troupes, fit son entrée en scène. Le capitaine du croiseur poussa les machines à plein rendement. Très vite, les trois navires d'assaut pénétraient dans l'écran de fumée. Sur la digue, les marins allemands peinaient encore à apercevoir leur ennemi. Puis, quand les trois navires britanniques émergèrent à 200 mètres, ils firent feu instantanément. Dans le court laps de temps qu'il fallut aux assaillants pour atteindre la digue, les deux fusiliers marins les plus gradés et deux officiers de la Navy furent tués. Le destroyer allemand faisait cracher ses canons et une forte houle empêchait le vindicatif de se rapprocher de la digue. Les soldats allemands tiraient maintenant à bout portant et les fusiliers marins entassés sur le pont se faisaient massacrer. Témoin des difficultés auxquelles devait faire face le vindicatif, le commandant d'une des escortes, la Jonquille, un ferry reconverti, s'approcha du navire et le poussa de sa proue jusqu'à la digue. On put enfin baisser les rampes de débarquement et les fusiliers marins s'élancèrent à l'assaut. Un officier ordonna à un groupe de soldats entassés derrière une rampe de descendre. Aucun ne bougea. Tous avaient été fauchés par une rafale de mitrailleuses. Mais malgré les tirs allemands, les soldats du vindicatif foulaient le sol, toujours plus nombreux. Les hommes à bord des deux escortes, ne pouvant débarquer à cause de la hauteur de la digue, durent se hisser à bord du vindicatif afin d'emprunter ses rampes d'accès. Une tempête de balles accueillait les Britanniques dès qu'ils posaient un pied sur la digue, tuant bon nombre d'entre eux. Une section tenta bien d'atteindre l'extrémité de la digue, mais pas un homme n'en sortit indemne. Les Allemands tiraient sans répit et il semblait impossible de les déloger de leur position fortifiée. Une poignée d'artilleurs britanniques faisait rugir les mitrailleuses Lewis à l'avant du vindicatif pour couvrir leurs camarades. Tous devaient tomber un à un, à l'exception du sergent Norman Finch, qui malgré ses blessures continua de harceler les positions allemandes. Lui et 10 autres soldats furent décorés de la Victoria Cross. On n'en avait jamais décerné autant suite à un seul fait d'armes. Progressivement, la bravoure désespérée des fusiliers marins semblait porter ses fruits. Les tirs provenant des positions allemandes perdaient en intensité, et les défenseurs étaient tellement concentrés à repousser les assauts sur la digue qu'ils ne virent pas les navires du blocus faire leur entrée dans le port derrière eux.
Tandis que ce combat de la dernière chance se poursuivait, les fusiliers marins virent se profiler une nouvelle menace, risquant de sonner le glas de toute l'opération. Un bataillon d'infanterie allemand à bicyclette s'approchait de la digue. Dans peu de temps, les Britanniques ne pourraient plus faire face. Le vieux sous-marin C-3 apparut juste à temps, naviguant vers la digue. Sans essuyer un seul coup de feu, l'officier à son bord put positionner le sous-marin sous les arches. Avant que les Allemands sur la digue ne se rendent compte de la situation, les 7 hommes d'équipage s'éloignaient déjà à bord d'une barque. La plupart furent néanmoins blessés avant de pouvoir atteindre le bateau à moteur qui les attendait. Douze minutes plus tard, le sous-marin explosait, détruisant une section de 25 mètres dans la digue. Les Allemands ne pouvaient désormais plus compter sur des renforts. L'obstruction de l'embouchure du canal pouvait commencer. Trois anciens croiseurs, le Thétis, l'Intrépide et l'Iphigénie, avaient chacun été lestés de 1500 tonnes de béton et chargés d'explosifs pour les saborder. Avec à leur bord des équipages portés volontaires, les trois navires glissaient à présent derrière la digue en direction de l'embouchure. Comprenant l'enjeu de la manœuvre, les Allemands en position sur le port reportèrent leur attention sur les trois croiseurs et ouvrirent le feu. Le Thétis fut gravement touché et commença à prendre l'eau. Le commandant dut le saborder à l'extérieur de l'embouchure. Bravant les tirs à bout portant des Allemands, les deux autres navires réussirent à entrer dans le canal et furent sabordés avec succès. À bord de chaloupes, les équipages purent s'enfuir sous les balles. Les sirènes retentirent pour signaler la fin de l'opération et les fusiliers marins sur la digue se replièrent à bord du Vindicatif. Le croiseur réussit à s'éloigner de la digue et à rejoindre tant bien que mal la côte anglaise. Le navire avait vaillamment rempli sa mission, mais le prix à payer avait été lourd. Des 1300 fusiliers marins volontaires qui avaient pris part à l'opération, 600 furent tués ou blessés. En revanche, les deux navires envoyés pour bloquer le port d'Ostende n'atteignirent pas l'embouchure et durent se saborder à plus d'un kilomètre. Mais un mois plus tard, le Vindicatif, cette fois-ci lesté de béton, remplit la mission avec succès. Quand le soleil se leva sur le port de Zeebrugge, deux des trois navires obstruaient l'embouchure du canal principal. Le succès d'un raid aussi audacieux vint à point nommé pour remonter le moral du peuple britannique, inquiet devant les avancées des troupes d'assaut allemandes sur le front ouest. Le raid du port de Zeebrugge, qui avait demandé une savante coordination entre des forces de débarquement, des navires de blocus et un sous-marin chargé d'explosifs, fut la plus grosse opération combinant plusieurs corps d'armée de la Première Guerre mondiale. Roger Keyes, l'homme qui l'avait conçu, devait en mettre d'autres sur pied quand il deviendrait directeur des opérations coordonnées en 1940. Les moyens mis en œuvre dans cet assaut, ainsi que dans bien d'autres, préfigurèrent les techniques et les stratégies qui allaient être utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. De manière encore plus spectaculaire, la guerre 14-18 a vu naître la plupart des armes qui devait révolutionner les techniques de combat du futur.